Martine Aubry ne veut oublier personne et a décidé aujourd'hui d'endosser les habits de Mère Noël en cette fin d'année. La solidarité est au cœur de l'actualité lilloise. La maire de Lille est allée à la maison de retraite Rachel Mérès à Lille. Elle s'est ensuite rendue dans le foyer de logement Sainte-Gabriel. L'occasion d'échanger et de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous les résidents, mais aussi de leur remettre à chacun d'entre eux un joli cadeau. Une opération qu'elle tient à mener chaque année. Je vous propose d'écouter Martine Aubry au micro de Baptiste Blic. On écoutera également la réaction des personnes âgées et juste après on parlera actualité avec Bruno Bonduel. Pour leur souhaiter une bonne fin d'année, des bonnes fêtes de Noël et puis une bonne santé pour 2011. Je pense qu'il y a aussi un rôle des citoyens. Ce n'est pas seulement les collectivités publiques qui doivent prendre ça en charge. Si chacun s'occupait un peu plus de son voisin âgé, d'une personne âgée isolée, en allant lui faire ses courses, en l'invitant chez soi, en lui envoyant ses enfants pour discuter, en lui téléphonant, je pense que notre société irait mieux. Et que tout ne dépend pas de l'argent de la sécurité sociale. Tout dépend aussi de la façon dont nous regardons les autres et nous accompagnons les autres. Ça, c'est merveilleusement passé, c'est une belle cérémonie. Très content des cadeaux qu'on a eus, c'est très bien. Ça allait bien, madame. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Hein. On aurait beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas beaucoup de temps, c'est sûr. C'est limité. Hein. Mais ça fait rien, ça fait plaisir, elle est venue. Ils savent que je suis là. Oh, ils savent tous. Vous ne vaut peut-être pas. Voilà, Bruno Bonduel, on vous retrouve pour parler d'actualité, notamment l'actualité de Martine Aubry. On vient de voir Martine Aubry distribuer des cadeaux, selon vous. Est-ce que ce serait un cadeau pour la métropole lilloise de voir Martine Aubry se présenter au présidentiel de 2012? Bon, d'abord, ce n'est pas seulement électoraliste pour elle, ça correspond à ce qu'elle est. C'est une femme qui a un grand cœur. Bon. Moi, je la connais par ailleurs. Elle n'est pas du tout l'image qu'on lui donne. Une femme très dure, très, très austère, très brutale, très, très méchante. Pas du tout. Elle est bonne. Elle est très drôle en plus. Elle est très prime sautière. Elle adore rire. Enfin bon. Donc, elle ne correspond pas du tout à l'image qu'on lui donne. Bon. Pour le reste, vous savez, moi, je l'ai toujours défendue quand elle était au fond du trou. Elle a été, rappelez-vous, il y a 2 ans, elle n'était plus rien. Bon, c'est l'élection de la mairie de Lille qui lui a tout donné. Hein. Maire de Lille, président de communauté urbaine, EOPS, numéro 1 EOPS. Bon, tout ça en l'espace de... Bon, il y a 3-4 ans, et moi j'ai toujours défendu parce que j'ai quelques affinités avec elle, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. C'est une fille brillante, qui connaît bien ses dossiers, qui bosse. Donc j'ai toujours défendu, je continue à la défendre. Même si je ne suis pas d'accord avec elle. Bon. Et je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Bon. Je pense qu'elle fait beaucoup trop de démagogie. Parce qu'il faut bien arriver au pouvoir. Et vous savez, elle est bien retenue la son de Mitterrand. Pour arriver au PS, il faut arriver par la gauche. Alors, langage de gauche, à gauche toute, bon, en fait, ça ne correspond pas à ce qu'elle pense. Elle sait très bien qu'il y a le mur de la dette qui est là, de toutes les façons, qu'il n'y aura pas de miracle. Et donc, si elle accède un jour à l'Élysée ou à Matignon, je pense qu'il y aura le principe de réalité qui sera là, on sera bien obligé de faire avec. Bon. Même si on fait un peu de cosmétique, si on fait des beaux discours. Bon, je pense qu'au fond d'elle-même, c'est une social-démocrate. Elle est beaucoup moins à gauche qu'elle ne... au fond d'elle-même. Elle connaît l'entreprise. Mais vous aimeriez bien la voir candidate aux élections présidentielles 2012? Moi, je ne suis pas dans les petits papiers du Parti Socialiste. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Oui, peut-être... Je ne vais pas me prononcer là-dessus, c'est pas mon rôle. Mmh. Alors Martine Aubry, maire de Lille, mais également patronne de la métropole lilloise, si vous deviez faire aujourd'hui un bilan de son travail parmi tous les projets qu'elle a mis en route, lequel a retenu votre attention? Je crois qu'elle a fait beaucoup pour Lille, c'est clair, énormément. Ce que je lui reproche, c'est de pas s'intéresser au reste du territoire, si vous voulez. Il y a non seulement la communauté urbaine, mais surtout le Grand Lille. Parce que la métropole ne se résout pas à la sphère politico-administrative dans laquelle on l'enferme. La métropole, c'est bien au-delà de ça. C'est notamment le bassin minier. C'est une grande métropole, j'ai dit tout à l'heure, de 2,5 millions d'habitants qui dépasse très largement les malheureux 250 000 habitants du Petit Lille. Je trouve qu'elle s'est parfaitement occupée de Lille. Peut-être moins du reste du Grand Lille. Alors un projet vous oppose tous les deux, c'est l'implantation d'une gare TGV. Vous la souhaitiez à Seclin? Oui, effectivement.
Elle n'a pas compris que, premièrement, la gare Lille-Europe sera bientôt saturée. C'est évident, il suffit d'aller certaines heures pour le voir. Elle n'a pas compris que, pour nos branches, c'est directement sur l'Europe du Nord, c'est-à-dire Cologne, Amsterdam. Eh bien, il fallait impérativement nous arrêter une gare sur le circuit. Alors qu'aujourd'hui, pour entrer dans l'île et en ressortir, il faut 25 minutes. Autrement dit, il n'y a aucun grand train international. Et maintenant, on sait que bientôt, il y aura la Deutsche Bahn, il y aura la Trenitalia, il y aura Eurotunnel qui fera circuler deux trains. Autrement dit, la déréglementation complète des chemins de fer européens fait qu'on aura toutes les lignes possibles et imaginables de toutes les compagnies qui vont se croiser à Lille. Or, la gare Lille-Europe est une petite gare, minuscule. C'est un simple arrêt, simple halte entre Londres et Bruxelles. Les quais, il n'y a que quatre quais, totalement insuffisants pour assurer, si vous voulez, un échange et un hub ferroviaire au niveau de l'Europe, comme on le situe aujourd'hui. Donc je pense que cette gare est inéluctable. Bon, j'ai peut-être été... Vous aviez dit il y a quelque temps que vous pensiez la convaincre. Oui. Finalement, c'est un regret. C'est une femme intelligente. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, elle changera d'avis un jour. Mais j'ai peut-être été un peu trop anticipateur. Je crois que c'est peut-être pas pour 2020, c'est pour 2030. Mais elle se fera forcément. Moi, en 2030, je ne serai plus là, mais elle sera encore là. Donc, forcément, c'est elle qui l'inaugurera peut-être. Merci Bruno Bonduel, vous restez avec nous encore pendant une édition. On se retrouve quant à nous dans quelques secondes pour faire un point complet sur votre météo.